Alors, aujourd'hui, on se retrouve chez mon pote Lolo, qui est un artiste contemporain. Du coup, il fait des expos de ouf. Là, ça, c'est sa dernière œuvre. Un capot from Mercedes. Hop. Ça, c'est Lolo, l'artiste. Ça, c'est une calandre avant from Mercedes. Alors, je déconne, évidemment, je vais vous montrer le 508 de Lolo, qui est en travaux, avec qui on a fait beaucoup de voyages. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tente bleue? Le 508 à Lolo, qui est en cours de transformation. The camion, le 508 à Lolo. Alors là, il est tout démonté parce que Lolo, il est en train de refaire toute la carrosserie, comme vous pouvez voir. Tout l'intérieur aussi. Blam! Voilà, il vient de redresser le toit. Le toit était tordu, c'est bon, c'est redressé. Il n'y a plus de problème. Vas-y Lolo, il répare le toit. Hop, c'est bon, le toit est réparé. Hop. Le 508 à Lolo, qui est un peu plein de poussière. Tu feras le ménage, s'il te plaît. Hein? Là, je sais pas ce que t'as foutu, il y a de la poussière partout. Hop, fais des petits plans de 508. Hop. Il y a un beau volume quand même. On dirait que tout est bleu avec la bâche bleue autour. Le camion est bleu. Ouais, vous voulez voir le toit? Ouais. Ah Lolo, tape pas ton 508 comme ça, il a rien fait. Le beau 508 à Lolo. T'as, tout est bleu, t'as l'air bleu, on dirait qu'on est dans un monde bizarre. Ah bah ça c'est... You're blue. Ambiance optimiste. Ouais. Le beau 508 dont on a vu la calandre. Du coup il va être tout blanc, enfin tout beige. Comme vous l'avez vu, vous voulez voir un moteur de 508? Petit moteur de 508 là. Ouais, je soulève ça. Regarde si c'est pas beau ça. Hein? Cette belle hélice là. Ouais, même le moteur il est repeint. Ouais, ouais. C'est beau ça. Un beau 508 comme ça. Hein? Oui, il est de quelle année Lolo? Oui, hein. Hein? Il est de 79. Attends, je fais encore deux plans. Parce que je sais pas si avec le réglage que j'avais tout à l'heure, c'était vraiment très très bleu. Hop, encore le moteur. Pour les fans de moteur. Hop,